Bien, tu veux qu'on va se rendre parce qu'il m'en reste 4 contrôles de balles à passer. OK? Puis on mettra d'autres questions au fur et à mesure. OK? On a vu la hauteur. Qu'est-ce qui fait que la balle, elle va s'en aller dans cette direction-là, dans cette direction-là ou dans cette direction-là? Qu'est-ce qui est déterminant? Qu'est-ce qui est déterminant pour le résultat de la balle? Équilatéral. Horizontal. Ça veut dire qu'au moment, où est-ce que je touche la balle, est-ce que je touche la balle en arrière, à l'intérieur ou à l'extérieur? Là, maintenant, comment on fait pour dire c'est quoi l'intérieur puis l'extérieur? OK? On prend un axe qui est comme ça ici. Parce que quand je frappe l'arrière ici, là, j'ai une ligne droite qui est comme ça. Toute la partie qui est de ce côté-ci de la raquette, c'est la partie qui est à l'intérieur de moi. Puis la partie qui est là, c'est la partie qui est à l'extérieur de moi. Est-ce qu'on me suit? Fait que je me place, vous êtes dans le filet. Quand je frappe vraiment l'arrière de la balle, là, je frappe vraiment cet axe-là qui est droit. C'est pour ça que la balle va aller en ligne droite. Et du moment que je vais frapper et que je vais toucher la partie de ce côté-là, c'est la partie qui est à l'interne. Et si je touche la balle de l'autre côté, ça va être la partie extérieure. Donc, je frappe l'intérieur de la balle. Quelle sorte de direction que je vais projeter? Un décroisé. Si je frappe l'arrière de la balle, qu'est-ce que ça va faire? Un parallèle. Si je frappe la partie externe de la balle, un croisé. Donc, on s'entend sur ces trois termes-là. Merveilleux. Maintenant, comment je peux m'y prendre? Maintenant, comment je peux influencer de façon à aller chercher la balle à l'intérieur ou à l'extérieur et l'arrière de la balle? Je vais m'y prendre de différentes façons. Quelles sont les façons qui sont possibles? Je peux avoir la même position de pied, OK, mais frapper la balle à différents endroits. OK? Donc, le fait de frapper à différents endroits fait que ma balle, je vais la toucher à différents endroits, qui fait que la balle, elle va faire différentes directions. Ça va? Maintenant, quelle autre technique je peux utiliser? Je peux avoir le même point d'impact, OK, mais avoir des mouvements de poignet qui sont différents. C'est rare qu'on fait ça pour les coups de fond, OK? Mais je pourrais faire ça, ou je pourrais faire ça pour pouvoir faire le bon coup. C'est souvent utilisé à la volée. La volée, je pourrais aller chercher des coups en angle comme ça ou jouer en décroisé, jouer avec la main avec le même point d'impact. OK? Quelle autre stratégie ou quelle autre façon que je pourrais utiliser pour pouvoir changer la direction? Position du corps. Ça veut dire que j'ai le même point d'impact. Le poignet, il est toujours aussi stable, mais je change l'orientation dans laquelle je veux me positionner. Ça ici. OK? Ça va? Donc, ça, ce sont les points qui vont faire que je vais pouvoir projeter la balle à différentes directions. Maintenant, il y a certains paramètres qui sont importants. Comment je peux augmenter mes chances d'envoyer la balle à quelque part? Là, c'est pour ça qu'on parle d'un corridor de frappe. Corridor de frappe, ça sert à augmenter nos chances d'envoyer la balle à quelque part. Comment je peux améliorer mon corridor de frappe? Il faut que la raquette soit stable, mais par définition, c'est de garder la trajectoire de la raquette le plus longtemps possible vers la direction que je veux jouer. Fait que si je veux jouer là-bas, je vais m'arranger pour garder ça le plus longtemps possible dans la direction que je veux jouer pour pouvoir augmenter mes chances d'y arriver. Ça va? Est-ce que je peux utiliser différentes façons pour y arriver, mon corridor de frappe? Et ici, j'ai parlé de ma trajectoire de ma raquette, mais qu'est-ce que je pourrais avoir aussi? À quoi la vitesse peut influencer le corridor de frappe? La réponse est non. Ça ne le touchera pas. Y a-t-il d'autres choses qui pourraient influencer la trajectoire de la raquette pour que ça soit plus long? On a dit qu'il faut que ça soit stable pour pouvoir arriver à le faire. Et c'est le transfert de poids. OK? C'est pour ça qu'on monte ça aux débutants. Place tes pieds en position un peu plus fermée pour pouvoir arriver à avoir une technique qui est plus longue. Okay? Est-ce qu'on peut faire ça sur n'importe quelle réception de balle? Est-ce qu'on peut avancer comme ça sur n'importe quelle réception de balle?
des balles, habituellement, ils sont plus lentes, plus rapides. Des balles qui sont en général plus lentes. C'est pour ça qu'on le montre sur des balles, surtout pour les débutants. OK? Dernier point qui peut être difficile au niveau de la direction, ça, c'est, on enseigne ça souvent dans les volets où il y a des changements de direction. OK? Lorsque la balle, elle arrive, d'un coup en croisé, si je fais rien, la balle, elle va repartir comment? Elle va repartir par là. Fait que moi, je suis ici, je veux faire un parallèle. Mon adversaire joue croisé, puis il faut que je fasse quelque chose pour que ma balle, elle s'en aille là, sinon la balle, elle va repartir par là-bas. Donc, quelles sont mes façons pour pouvoir neutraliser cet angle d'incidence-là? J'ai au moins deux façons. Pardon? L'angle de la raquette. OK. Fait que je peux changer le contact. Ça veut dire que la balle, elle s'en vient comme ça. Je vais juste aller la chercher plus en avant. Comme ça, mon angle d'incidence va s'en aller et de réflexion va s'en aller de l'autre côté. Je peux l'utiliser, cette technique-là. Puis jouer avec la vitesse. Ça veut dire si la balle arrive, exemple, à 50 km/h, si je joue un petit peu plus vite que cette balle-là, j'enlève cette réflexion-là qui va s'en aller de l'autre côté pour pouvoir rediriger par là. OK? On voit ça souvent à la volée aussi. Donc, c'est le genre de situation qui est un peu importante là-dessus. Cut off.